Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une formation 100% gratuite d'environ 10 contenus. Dans ce format, je vais vous donner toutes les clés pour savoir par où commencer si vous êtes débutant et que vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies de façon intelligente et en prenant le moins de risques possible. Alors attention, ici on ne parlera pas de trading, mais d'investissement long terme. C'est pour moi la priorité numéro 1 que vous devrez maîtriser si vous souhaitez par la suite vous essayer au trading. Où acheter ces cryptos, comment sécuriser son wallet, quels outils utiliser et comment savoir quand acheter et quand revendre, quels sont les pièges à éviter et comment bien sélectionner ses projets. Bref, je vous dévoilerai au fur et à mesure tout ce que j'ai pu apprendre depuis mon arrivée sur ce marché en 2017. Alors tout d'abord, sachez que l'achat de crypto-monnaies comporte des risques. Comme avec tous les marchés, on peut gagner de l'argent mais également en perdre, donc faites très attention à n'engager que le montant que vous êtes prêt à perdre. Partez du principe que vous êtes là pour du long terme et que vous ne devez pas avoir besoin de cet argent dans les prochains mois, car il est possible tout simplement que vous le perdez et que vous ne le voyez donc plus jamais. Ça peut être notamment le cas si vous faites les mauvais choix d'investissement, si vous vendez à perte ou bien si vous faites pirater. Alors maintenant que l'avertissement a été fait, voici 5 conseils pour bien débuter. Le conseil numéro 1 donc, c'est d'acheter sur une plateforme de confiance. Je vous mets des liens en description, c'est important de ne pas mettre son argent n'importe où car il y a beaucoup d'arnaques sur internet. En numéro 2, je vous conseille de ne pas acheter n'importe quelle crypto sous l'appât du gain. Bien sûr ça vous regarde, mais ne soyez pas tenté par des cryptos qui peuvent faire un x100. Il y a au final très peu de chances que ça arrive. Donc n'écoutez pas quelqu'un qui dit cette crypto a un potentiel de x100. Personnellement, je préfère enchaîner des petits gains, c'est-à-dire des x2, x10 maximum, et je suis donc à 60% dans le Bitcoin, 20% dans l'Ethereum, et ensuite le reste dans des altcoins à potentiel comme Mantle, VeChain, Cardano, Matic, Solana par exemple. Bien sûr, encore une fois, je ne suis pas un conseiller en investissement, donc faites vos propres choix, mais privilégiez toujours des cryptos qui sont à faible risque. Mon troisième conseil, ça va être d'acheter quand le prix est bas, qu'il chute, qu'il ne se passe rien sur les marchés et que personne n'en parle. À l'inverse, si les médias du style TF1, France TV ou encore BFM commence à parler de records de prix sur le Bitcoin, de votre côté, commencez à penser à vendre. Je vous dis ça car en général, lorsqu'on a un ATH et qu'on commence à en parler sur les chaînes télé, eh bien c'est là où les débutants arrivent, commencent à acheter et là forcément le marché repart dans le sens inverse et en général on s'approche du bear market, le moment fatidique où les gens vont commencer à désespérer parce que le prix chute et où on ne va plus revoir le BTC remonter avant plusieurs années. Alors en quatrième conseil, je vous demande d'être patient. C'est très rare de faire un x10 en quelques jours, même sur les cryptos, donc soyez patient, c'est vraiment ce qui va vous différencier des autres débutants. Les gens pensent gagner rapidement de l'argent quand ils débarquent sur les cryptos parce qu'on leur fait penser que c'est les cryptos qui vont leur permettre de devenir riches du jour au lendemain, et bien c'est faux. Patientez, le temps vous récompensera. Et enfin, le dernier conseil pour bien débuter, pour moi il faut s'informer, soyez passionné. Lisez des livres, consommez du contenu qui traite des informations sur les cryptos et suivez des experts. Pour maximiser vos chances, il faut savoir dans quoi vous investissez, c'est très important et c'est valable sur tous les marchés. On a la chance d'avoir accès à des années d'expérience sur internet grâce au partage de savoir, donc ne ratez pas cette opportunité d'apprendre grâce aux autres. Je reviendrai d'ailleurs plus largement en détail dans une prochaine vidéo sur les livres et les sites internet à explorer, mais d'ici là n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir mes analyses en temps réel ainsi que toutes les infos crypto les plus importantes. Pour terminer, je dirais que les marchés sont un éternel lieu d'échange entre les anciens et les nouveaux. Les nouveaux manquent d'expérience et vont acheter les cryptos des anciens au plus haut pour se retrouver bloqués pendant plusieurs années avant de faire un bénéfice. Ceux qui vont être découragés vont revendre très très vite et vont être à perte, seront dégoûtés alors qu'ils auront seulement à attendre, à investir au bon moment et puis de revendre au plus haut lorsque ça sera le bull run. Donc ne vous faites pas avoir s'il vous plaît, achetez dans le rouge et revendez dans le vert, c'est la règle numéro 1. On achète en plein bear market lorsque les cryptos chutent, qu'elles sont au plus bas, et on revend tout simplement en plein bull run lorsque les cryptos explosent et que tout le monde en parle, c'est la règle vraiment de base, la règle en or qui vous fera gagner sur les marchés crypto. Si vous suivez les conseils de quelqu'un qui vous dit l'inverse, c'est vraiment que c'est une personne mal intentionnée. Moi, je n'ai vraiment aucune raison de vous faire acheter le top des cryptos. Donc voilà, ce sont vraiment les conseils que je vous demande de respecter pour mettre toutes les chances de votre côté. On aura de toute façon largement le temps d'aborder en profondeur tous les aspects qu'il faut connaître sur les cryptos et surtout les meilleures stratégies pour le long terme pour gagner de l'argent de façon intelligente et sans prendre trop de risques. Donc n'hésitez pas à donner de la force à cette formation en likant cette vidéo, en laissant un commentaire et bien sûr à me suivre pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas également à regarder mes prochaines analyses et présentations de projets. En attendant, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite de cette formation.